Ok, on va faire l'appel. Soyez attentifs. La personne qui ne répond pas sera absente, d'accord? Stacy Konzo? Elle est où? Ok. Ivanel Bell? Présente. Chloé Chameni? Présente. Aminu Moussa? Présente. Loïc Atangana? Présente. Pas autre fois. Larissa Manfo? Larissa Manfo? Larissa? 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 Larissa Manfo? Larissa? Larissa Manfo? Larissa? Larissa? Ça va? Tu entends quand je te parle? Tu vas bien? Tu connais ton nom? Tu t'appelles Larissa Manfo, n'est-ce pas? Ok. Dorénavant, quand je t'appelle, tu réponds présente. Présente. D'accord. Larissa Manfo. Présente. Larissa Manfo. Présente. Un bravo pour Larissa. D'accord. On va continuer l'appel. Présente. Chérie, tu t'assois. Monsieur le directeur. Madame Frida. Vous êtes occupée? Je ne pense pas qu'un jour je serai suffisamment occupée au point de ne pas avoir du temps pour vous. Ok, monsieur le directeur. En fait, si je suis là, c'est pour vous parler d'un cas qui me turlupine. C'est le cas de ma plus grande élève, là, Larissa. Larissa. Oui, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas avec cette petite. Comment ça? Par exemple, quand je fais l'appel en classe, elle a du mal à reconnaître son nom. J'ai beau appeler une fois, deux fois, elle ne répond pas. Quand je pose des questions, il y a des enfants qui interagissent et tout, elle est toute calme. Et quand bien même j'essaye de venir vers elle, elle prend peur et elle se met à pleurer. Elle hurle catégoriquement. Donc moi, je n'arrive vraiment pas à gérer. Madame Frida, je ne vais pas vous cacher que lorsque je l'acceptais dans cet établissement, j'étais conscient de son état. Mais voyez-vous, il n'y a pas d'école spécialisée dans la région. Du coup, on ne va pas la rejeter à cause de sa différence. D'accord, monsieur le directeur. Je suis moi-même partisan de l'école inclusive. Mais je n'ai pas les clés. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais apporter à cette petite... Ne stressez pas, madame Frida. Ne stressez pas, je suis là. Hein? Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous aider. On va gérer le cas là ensemble. D'accord? On va former une équipe. Et j'ai de l'expérience, hein? Souvenez-vous le cas Kevin. Hein? Vous vous en souvenez, le cas Kevin? C'est vrai. Mais en parlant, il est où, Kevin? Ah, ses parents ont quitté la région. Ah, d'accord. Le pauvre petit. Ouais. D'accord. Bon, je vais faire de mon mieux. Hein. Ne vraiment, vous inquiétez je vais me battre pas. À mon niveau. Et vous verrez, hein? Vous verrez que ces enfants-là sont parfois mieux au milieu des autres enfants que dans les écoles spécialisées. Vous verrez par vous-même. Non, c'est vrai aussi. D'accord, monsieur le directeur. De toute façon, je n'hésiterai pas à venir vous voir si jamais c'est un peu plus fort. Venez me voir. D'accord. Bon, je serai bonne toujours fin de journée. Là. Yeah! Come on, come on, come on! 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 Come on, come on
Où est l'argent? Qui a la craie? Qui n'a pas la craie en face? Baissez les mains, baissez les mains. D'une craie pour deux personnes, c'est très clair. La craie couleur. Partez là-bas maintenant, partagez. Partez là-bas, partagez. Quoi? Voilà. Tu dessines? Voilà. Tu dessines? Fais un peu voir. Comment tu peux ton cahier, je vois, non? Wow. Prends ceci. Madame Frida, m'a déjà vu l'élève ici. Waouh! C'est elle qui a fait ça? Toute seule? J'étais même étonnée. C'est un devoir de classe? Pas du tout. En fait, j'étais en train de donner cours sur l'endroit le plus sécuritaire pour un enfant. Je parlais de la maison comme un lieu de sécurité, un havre de paix. Et pendant que je faisais le cours, je la voyais en train de griffonner, toute concentrée. Et j'ai continué naturellement. Et au moment où je décide de passer entre les rangs là et tout, dès que j'arrive chez elle, elle me dit: Madame, maison, havre de paix. J'étais émue. Ça rejoint ce que je vous disais. Je vous le disais déjà. L'encadrement, c'est hyper important. Hein? Il faut l'encadrer, cet enfant. Et monsieur le directeur, j'ai vraiment comme l'impression que cette jeune fille, quand tu lui dis quelque chose, la manière la plus précise de te montrer qu'elle a compris, c'est de dessiner. Hein? Mm-hmm. C'est comme si quand tu lui dis quelque chose, au lieu de comprendre comme les autres élèves, elle décide de dessiner tout ce qu'elle comprend sur le papier. Mmh. Oh là là, c'est trop bien. En tout cas, pour un enfant de son âge, moi, je trouve qu'elle dessine très bien. Ah oui, vraiment. Il faudrait l'encadrer et même trouver des méthodes pour faciliter son apprentissage. Mmh. En tout cas, moi, je vais m'y atteler. Je vais mettre vraiment toute mon énergie là-dessus. Ça, faut dire qu'on a fait du bon boulot. Hein? Toi et moi, on forme un beau couple. Enfin, une belle équipe. Maman, après. D'accord, je te suis. Au revoir, monsieur le directeur. Oh, ok. Équipe, équipe. Oui, boss. Ah, c'est comment? Non, ça va, boss. La journée a été? Oui, boss. Ok. Bon, là, je suis un peu fatigué. Là, il faut que je rentre. Je pense que tout le monde est déjà parti. Oui. Tu fais le tout, tu vérifies que toutes les classes sont fermées. Hein? Okay, et je ne veux plus les moments d'inattention parce que c'est la dernière fois parce que tu étais inattendu qu'on a volé le drapeau. Hein? Je veux plus qu'on vole le drapeau dans cet établissement. Désolé, boss. Fais attention. C'est des choses qui font qu'on est obligé d'acheter encore du matériel dans cette série-là. Monsieur le directeur! Ah, monsieur le président, comment allez-vous? Ah, ça peut aller, ça peut aller. Et vous-même? Ah, ça va, on ne se plaint pas. Alors, qu'est-ce que vous faites là à cette heure? Non, mais vous savez, un président consciencieux se doit de s'assurer que les élèves sont rentrés à l'heure indiquée. D'accord. Donc, je suis venu vérifier tout ça. Ah, comme ça, vous êtes venu vous assurer que les élèves sont rentrés, c'est exactement. À 16h? Oui. Ok, bah, je vais vous laisser, vous allez faire le tout.
et vous assurer que les élèves sont rentrés comme vous vouliez. Oh, tout à fait, c'est le travail d'un président. Godis. Oui, boss. Bonne chance, hein. Monsieur Jeter, n'oubliez pas, directeur, président, synergie. Jeter. Chupao. Égé. Où ça le go? Tu es qui? Chupao. Kikiriki. Tu veux pas l'APE? APE c'est quoi? C'est ça. Président de l'APE. Voici tout l'APE ici là. Big Beleso, président de l'APE. C'est ça l'APE. Tu fais quoi ici? Non, je dis que je viens voir si les élèves sont bien rentrés. C'est le travail d'un président de l'APE de s'assurer que tout se passe comme convenu. D'abord même, toi, tu es d'abord qui? Oh, il en a mis. Il en a mis. Tu es qui? Je suis le président ici. Donc, il y a deux présidents dans l'école ici? Oui, oui, oui. President of security. Attends, deux présidents. Monsieur, comment voyez? Bon, de toutes les façons, je rentre parce que je veux. Comment faire? D'abord même, c'est bon. J'ai vérifié, tout le monde est rentré, c'est bon. Monsieur, c'est parce que je veux que je rentre. C'est à Wicket, hein. Je suis mauvais. Je ne connais pas Wicket. Je suis mauvais. C'est passé, je veux que je rentre. Arrête. Je suis violent. Je n'aime pas la violence. Ah, je suis un gars très violent. Si je me fasse, je peux tuer quelqu'un. Quand je sors parce qu'elle veut. C'est parce qu'elle veut. De toutes les façons, hein. Si l'auditeur va m'entendre. On embauche les gens. Ah non, bitch, c'est ce que tu dis. Tout est. Soyez qui t'a fait. Retiens-moi. Pourquoi? Retiens-moi. Viens, non, monsieur. Non. Viens. Je veux tuer quelqu'un. Viens. Je laisse. Je dis que je laisse. Je laisse. Tu vas voir. Qui te paye là? Qui te paye là? On va voir ça. Shot. Donc, le directeur embauche les gens sans demander à l'APE. Oh, stop, stop, stop. Go. Bon, en tout cas. Sois ici. Je ne go pas, je pars. Go, comment je pars. Le directeur va maintenant. Go ahead. Je vais voir qui va te payer. Viens, non, viens. T'as la chance. Viens. C'est pas, je dis que. Viens. C'est parce que je veux que je pars. Je veux, c'est moi qui décide. Regarde, je décide et puis je pars. Et je pars. On va voir ça. Regarde. Le directeur va m'attendre. Tu es cool, comme un cochon. On va voir ça. Son shorting. C'est qui ça? Viens. Je fais mon travail. Quelqu'un vient ici.